le Rav Yehoshua Pinto dit qu'il y a beaucoup de brachot qui sont prêtes à descendre, elles sont dans le ciel. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, le Olam Hashem Debacha Nitsa Bashamim. Hashem, tes paroles, elles sont, quand on ouvre le Echal à Rosh Hashanah, qui pourront dire, tes paroles, elles sont dans le ciel. OK? Alors, on parle des mauvais décrets. OK? Les mauvais décrets, ben, qu'ils y restent. Hein? Ils sont dans le ciel, ben, qu'ils y restent, qu'ils ne descendent pas. C'est ce qu'on demande après dans la prière. Mais aussi, les bonnes choses aussi, elles sont dans le ciel. C'est à nous de savoir les faire descendre. Et bien justement, en prenant l'occasion de faire certaines mitzvot, et en prenant ces occasions-là, on peut faire descendre ces brachot. Le Rav dit qu'il y a des gens qui, pour lesquels il a été décidé à Rosh Hashanah d'être riche, de gagner de l'argent cette année-là, mais ils n'ont pas su faire descendre ces brachot-là qui ont été décidées sur eux. Il a été décidé d'avoir de l'argent cette année. Ils n'ont pas su les faire descendre. Chafetz Chaim, il y a un jour quelqu'un qui est venu qui lui a dit « Est-ce que vous pouvez faire une bénédiction, s'il vous plaît ?» Le Rav Israël lui a dit, je te bénis que tu puisses recevoir tout l'argent qui a été décidé pour toi à Rosh Hashanah. Vous avez l'air de dire, on croit que c'est rien, mais c'est pas rien, c'est beaucoup. Il y a des choses qui sont décidées, mais qui ne viennent pas. C'est à nous de les faire venir par nos prières. Par exemple, on peut demander aussi, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il décide la parnassa, il décide tout. Alors à quoi ça sert de prier tous les jours de l'année? Ça y est. Hachem, t'as tout décidé à Rosh Hashanah. Vas-y, fais venir les choses que t'as décidées. Non. Quand on prie pendant l'année, on prie pour la santé, on prie pour la parnassa, on prie pour ci, on prie pour ça, on fait descendre ces choses-là qui ont été décidées à Rosh Hashanah. Voilà. Donc, en fait, si on veut faire descendre tous ces brachot-là, il faut pas rater les prières, il faut beaucoup prier, il faut pas rater les occasions de faire des mitzvot, et c'est comme ça que les brachot qui ont été décidées pour nous, elles peuvent descendre même